Alors, hop, je vais faire comme ça. Merci à vous toutes et toutes d'être toujours présents. On continue notre dimanche détente. Oui, faut que je vois le chat. Ok, je refais ma pub à la noire. Au moins, ça comble le vide de la colonne bleue sur la gauche. La manette, elle est là. Hop. Non, ça veut pas tenir. Ouais, en fait, le câble est trop lourd. Bon, c'est pas grave. Alors. Je vais me faire dessus. Oh mon dieu, j'en étais où? Je ne sais plus. Il y avait une histoire de Lisa Trevor là qui m'avait pataté une première fois. Et puis on peut le dire, après c'était le trou noir. Est-ce que j'avais pas boudé la scène du requin? Je l'avais pas sauvegardé parce que j'étais pas satisfait de ce que j'avais fait. Surtout que le baron m'avait donné l'astuce comme quoi je pouvais foutre un coup de pied dans le pupitre électrocuté. Enfin bref, blablabla. On va refaire le point. On va refaire le point. Je pense être à la moitié de l'histoire. Voilà, j'en étais à 15. Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais. Inventaire. Fusil pépon, blablabla, état normal. Je vais déposer les rubans, encreur. Ouais, je peux prendre un spray premier secours et puis Bastazar. Oui, effectivement, j'ai fait un double accoutrement, j'ai l'air ridicule. Chapeau chinois avec beaucoup. Bref. Voilà. C'est tout ce que ça m'inspirait. Bon, ici, il y a des grosses araignées, je crois. Je sais plus. Ah, mais j'avais fait ici, je crois, non? Ah, il y avait les fioles, il y avait les fioles, il y avait la table de billard. Ouais, le code, je l'ai plus. Il faut que je retourne à la table de billard et que je revoie les trois bougies bizarres. Si je vais tout doux, je vais pas exciter l'araignée. Je vais économiser des munitions. Mais non, mais non. Alors, deux bleus, trois oranges, quatre violets, cinq jaunes et six verts. Allez. Alors, l'œil de chat est en orange. Œil de chat orange. Voilà, je me fais la note. Ah! Ah oui, j'ai eu peur. Je panique parce que je fais un mauvais geste avec mon clavier et j'efface ma ligne que je venais d'éditer dans mon logiciel de chat. Le fameux Chatty que je vous recommande chaudement. Il est extraordinaire ce logiciel qui est gratuit, que je tiens à notifier aussi. Alors, il y a une autre bougie lampe là-bas. Alors, la verte, elle dit quoi? Ah, la verte, c'est creux. On va dire œil de verre. C'est vert. Ok. Et le troisième, par déduction. Oh, cette ambiance!
C'est un village où l'on se fait popo dessus. On la voit la bête. On la voit la bête. La vilaine bête. Putain, il y a un lecteur de tourne-disque là. Et le rouge, c'est l'œil soleil. Œil soleil, c'est le rouge. Voilà, là j'ai mes combinaisons pour bien jouer. J'ai la combinaison pour bien jouer. On va mettre de la musique. On va mettre du disco. On va faire danser l'araignée venimeuse. Allez, mets du disco, Jill Valentine. Ouin, elle veut pas. C'est un mauvais 45 tours. Un mauvais tour tout court, oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a le coup du digicode. Bon, il y a l'autre qui va me fouetter, là. Retour, évidemment. Bonjour, le coyote. C'est des émoticônes de South Park. C'est rigolo. Je m'étais débarrassé des guêpes, hein. Enfin des abeilles, je crois. Je sais plus. C'était ici que ça se passait, je crois. Sans, calmement, sans précipitation, ça se passe bien. J'avais maîtrisé là, ouais. J'avais trouvé un truc dans la ruche. Non, il y a plus rien. Il y a plus rien. Bon, là je peux me presser. C'est 03, c'était quoi? Il y avait quoi dans cette salle? Je me souviens plus. Ah, il y a quelque chose. Ah! Oui, bah tant qu'à faire. C'était quoi ici? Ah ouais, d'accord, je peux sauvegarder. De vieilles cartes routières ont été jetées dans la corbeille. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Ah 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 ah. Des livres rouges sont alignés sur l'étagère. Livre blanc s'ouvre au milieu de tous les rouges. Le prendre. Ouais, vas-y voir. Oh, expérience chimique organique en labo. Les précédents rapports exposaient les similarités cellulaires de la plante à croissance ultra rapide infectée par le virus tyran. Message de Torota 77. Petit rappel. Le sage, pour saluer, ne fait pas chapeau bas, mais moumoute basse. Tu m'étonnes, comme ça. Ah. Tiens, tu mériterais même que je cumule mes âneries. De toute façon, tant que je les ai sous la main. Alors, vas-y, va. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est très con. Bon, bref. Les précédents rapports exposaient les similarités cellulaires de la plante à croissance ultra rapide infectée par le virus tyran. Cependant, en cherchant à corroborer le résultat de nos expériences, nous avons mis à jour une autre donnée intéressante. Nous avons découvert que l'HUM-20, un élément chimique de la famille des HUMB, comporte un composant qui détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nous avons rebaptisé l'HUM-20 V-Jolt. Si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après l'application du V-Jolt directement sur ses racines.
Pour synthétiser du VJolt, il suffit de mélanger l'UMB et du VP dans des proportions adéquates. Cependant, la manipulation des substances chimiques UMB demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques. Oh merde. Faut que je me le note. Je vais le faire, hein. Bougez pas. UMB 3. Alors attends, c'est du rouge. C'est du vert. UMB 10, c'est de l'orange. C'est du bleu. Et du jolt, c'est brun foncé. Ok. Ok. Ouais, chat de Pérou, ouais, animal rare, oui, tu m'étonnes. Oh, j'ai des intestins qui me travaillent. À mon avis, je vais vite vous abandonner pour aller sur le trône. Pardon, mais... Mince. Les arbres vous bloquent la vue. Une plante géante écrase le mur. Une nuée de papillons de nuit et en colère l'entoure. Bon, il y a le lit qui est vétuste mais confortable. Je sens que vous allez avoir droit à un bon petit moment de clip à nouveau. Oh, c'est pas cool quand ça me travaille comme ça, sortie de table. Je te l'ai épinglé pour être sûr de ne pas chercher dans le chat. Oh, c'est adorable, merci. Mais comme j'utilise mon chatty, en fait, c'est... Enfin, c'est gentil, merci. Les étagères sont remplies de savon et de produits de beauté. Ce sont tous des produits de la marque Umbrella. Ah, j'avais fait ici, je crois. La racine du plante géante. Mais attends, le livre blanc je l'ai pris parce qu'à un moment il y a une histoire de livre rouge. Je suis pas censé prendre le bouquin parce que là j'ai lu le document mais j'ai pas pris le bouquin. Ah, ça y est, je recommence à être barbouillé au niveau du bidon. Pour tout vous avouer, j'ai mangé des restes. Et ça me réussit pas. Oui, bah, il faudra que je mette le livre rouge. Oh, mince. Encore, j'aurais été barbouillé dimanche soir, c'est pas grave, je rendais mon antenne, mais là... Ah, ça va passer. Ça va passer. Alors, de l'équipement de laboratoire que vous avez vu auparavant, a-t-il été utilisé pour mener des expériences? Oui, il y a la plante qui bloque la double porte, je me souviens. C'était expliqué dans un rapport. Et j'ai l'histoire des fioles de mes deux. Donc, en fait, tout va se jouer ici. La serrure de la porte, l'utiliser. Oui. Alors, j'avais écrit... que l'œil de verre c'était du verre et le verre c'était le 6 dans la boule de billard. Là c'est l'œil complet, l'œil soleil en rouge. Ah, que j'avais écrit orange mais c'est du rouge, c'est le 3. Et là, l'œil de chat, c'était... Quoi ? Ah, en jaune. Donc, c'était 5. Ouais, c'était ça. Fini le coyote.
Vas-y, fais ta pause au trône, je reste pour animer. Non, ça va, ça va, ça va. Il y a un risque, mais ça va. Mais ça me travaille sur le plan digestif, voilà. Merci pour le GG. Alors attendez, la suite de l'énigme, c'est ce que j'ai noté, les UMB. Ah oui, bleu, oui, je comprends ta moquerie, le coyote, j'avais pas vu. Oui, j'ai rédigé trop vite, mais oui, bleu, pas bleu. Bon, merdoum. Et il faut faire le VP17, c'est ça? Non? Merde, je sais plus. Bon, elle va me dire qu'il faut un container. Oui, bah, je peux en prendre un. Mais là, je suis surchargé. Il va falloir que je vide mes poches. Il va falloir que je vide mes poches. Bah oui, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Inscription de l'école primaire. Est-ce qu'il a flingue? Ah non, c'est le J-Volt en brun foncé. Il faut que je fasse le brun foncé, donc il faut que je fasse le 20, c'est ça? Non? Soit c'est le 17, soit c'est le 20 qui correspond au V-Jolt. Attends, il disait quoi déjà le document? D'accord, il faut faire le Vjolt qui est en brun foncé, qui est le 20. Ouais, d'accord. Non, gaz toxique. Ouais, c'est le Vjolt en 20 qui est brun foncé. Ouais, faut que j'atteigne le 20. Donc en fait, il faut déjà. Oui, en fait, faut faire les 5 mouvements. Donc faut faire le 1 et 3. Il faut faire le 1, ça doit être de l'eau, et 3, c'est rouge. Et j'ai pas assez de place dans mon inventaire, donc je l'ai dans le cululu. Je l'ai dans le cululu. Je peux pas démarrer l'expérience. Il faut que je me vide les poches. Et dans la chambre, il n'y avait qu'une machine à écrire. Il n'y avait pas de mal. De mal de rangement. Donc je vais repasser dans le couloir. Je vais me refaire agresser par la plante via le plancher parce que j'ai mal positionné la caisse. Ça fait CHIER. Je vais la trucider cette plante de mes deux. Allez, elle va m'agresser la vilaine. À moins que j'arrive à gérer la caisse en la poussant, mais j'y crois pas trop. Vas-y voir. Ah! J'ai réussi à la feinter. Du moins pour ce passage-là, je l'ai feinté. Oui. Mon Dieu. Ça va être quelle voix? Quel message de Torota 77 dans le cululu? Dans le cululu, dans le cul, dans le culule. Oh mon Dieu. Oh, j'ai plus de zombies à cramer ici. Je peux laisser le briquet et tout le bordel. J'ai ça. Dans le cululule. Là, dans le cululule. Au passage, je prends le bouquin rouge. Le bouquin de l'interdit. Oh, elle va pas me faire de cadeau. Non!
Oui. Et lui, il y avait une salle au niveau du truc à requin où on voyait les racines de la plante. Donc à mon avis, si je l'approche, je la défonce avec le la solution numéro 20, l'UMB20 là. Espoir. Espoir, espoir. Oh, espérons que je ne me plante pas. Il me faut deux récipients, poêle aux dents. Récipient! Bouteille vide. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de secret à l'analyse de l'objet. Hein? Si je fais examiner, il me dit c'est un contenant prout-prout. De l'acide, je sais pas quoi, là, nitrique. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Bon. Voilà. À tout à l'heure, Torota, bon dodo, merci. Enfin, si c'est ta sieste que tu fais. Alors, je crois que l'eau compte pour 1. Oui. 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 Je crois que l'eau compte pour 1, donc je peux mélanger. Voilà, j'ai du NP4. Donc, j'ai obtenu le 4. Le 4 plus le 6. Le 6 correspond au jaune. Donc, je vais remplir. Si je peux approcher le truc. Putain, mais pourquoi ça marche pas? Ah, merci. Ok. Je mélange ces deux-là. J'ai obtenu du 10. Le 10 que je dois mélanger à du 7. Donc le 7, faut le faire à part. C'est de l'eau et du jaune. Il faut que je dilue le jaune. De l'eau avec du jaune. De l'eau avec du jaune. De l'eau avec du jaune. Oui. Oui. De l'eau avec du jaune. Eau plus jaune. Je vais le diluer. Voilà. Donc là, j'ai du 7 et j'ai du 10. On est d'accord que je fais l'addition 10 plus 7. Oui, 10 plus 7, 17. Donc, alors, je mélange l'orange avec le vert. Voilà, là j'obtiens du 17. Il faut que je rajoute 3 dans l'équation pour obtenir de l'UMB20 qui est le J-volt. Mais le 3, c'est le rouge. Voilà, c'est l'UMB3, c'est le rouge. Donc, si je complète avec du rouge, voilà. Que je mélange cette solution à celle-ci, j'obtiens du J-volt, enfin du V-volt, enfin du, hein, bon, j'obtiens du chose qui tue la vilaine bête de. Il s'agit d'un liquide à couleur brune caractéristique. J'aime bien le remous du clic-clic. Elle va crever cette cochonnerie de plante! Je vous le dis, moi! Je travaille pas pour Umbrella, je travaille pour Ondop. Je fais que dans le désherbant. Désherbant total. Bon, on va mettre le bouquin rouge dans la bibliothèque, ça va me porter malheur, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Oui, allez, vas-y, magie du démon. Ah, les reliés semblent former une sorte de motif. Oui, on voit un navire sur le. Et ordonner les livres. Oh non! C'est une énigme qui dit pas son nom. Je crois que ça, c'est le côté extrême. Oui, je réordonne les livres. Non, pas celui-là. Ah, on dirait un corps. Ah.
Est-ce que ça, c'est le bout opposé? Non! Ah, peut-être. Attends, on va éteindre ça. Non, ça correspond pas. Oui, attends. Si ça, ça va avec ça. On voit les jambes. On voit les jambes comme ça. Ah! Mon horloge me fait peur. Oula, mon Dieu, c'est horrible. Oh, faut que je décale mon truc. Le pied était à l'extrémité en fait. Il y avait pas de blanc, de je sais pas quoi. Attends, on va faire le décalage comme ça. On va faire le décalage. Non! J'ai cliqué une fois de trop. C'est une honte. Quand la mêle monte, géante, quand elle descend, je l'attends. J'ai gagné dans tes dents. Une pâte secrète. Mais j'ai la solution pour tuer la plante. Je me risque. Si c'est grand danger, je fais demi-tour immédiat. Non. Non. Vous êtes des monstres. Ah! Oh non! Oh non! Je suis devant le boss alors que j'aurais jamais dû. Elle va me frapper. Ah! Elle va me mettre au vert. Ouais, c'est de l'acide dégueulasse. Non! On l'aura vue vivante, la cochonnerie! Oui, sors! T'as pas la clé, mais sors! Oh, ça va. Eh, le jeu a été gentil. Il m'a laissé en normal. Cochonnerie, je vais la crever. La cochonnerie. Oui, il faut que je retourne du côté du requin là. Pour, il y avait une salle où j'avais accès aux racines de la vilaine plante. On va la crever. Violence, vengeance, revanche. Parfum délicat de la revanche. Alors que nous avons droit propre à cet opus, et encore, non, je dis des bêtises, propre à la saga. Un joli défilé de portes aux entoujards. Attendez, je pousse un peu la caisse. Ma feinte avait fonctionné tout à l'heure. Hop, pas plus. Je t'enquiquine la plante. Les manips de code étant chiants, ça vaut le coup de sauvegarder. Et puis c'est pas comme si j'avais ramassé encore des rubans encore. Je me moque un peu des stats, mais je me réjouis. De gagner. Bon, j'ai gagné des fioles qui me serviront plus normalement. Si j'ai une autre plante qui fait suer un autre prototype, hein, je saurai où aller pour faire du poison. Dégueulasse, le ruban crâne, il est où? Il est où le ruban encreur? Voilà. Oui.
Oui. Sauvegardons ma victoire. C'est bon. Alors, tac. Là, j'avais rien. Allez, pas j'avais rien. C'est là où je dois écraser dans la logique du truc. Je savoure grandement, c'était ma dernière gorgée de café du jour. Ça fait du bien. En plus, je voudrais pas dire, mais ça parfume la bûche. La bûche. Oh mon Dieu, ces accoutrements ridicules. C'est merveilleux. Alors, le truc à requin, c'était... C'était dehors, je crois. C'était où qu'on accédait au bazar du requin ? Attendez, attendez, je sais plus. Oh, faut que je révise. Bon, il y avait la cabane au fond du jardin, là, comme l'avait chanté... attendez, la résidence... Non, mais... Ah oui, attends. Le bassin, le bassin... Comment j'atteignais le bassin, moi, je sais plus. Comment j'atteignais le bassin ? Non, 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 fausse direction, fausse direction, fausse direction. Je suis en train de retenir. Non, 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 le bassin, il est bien en sous-sol de la résidence arrière, là où je suis. Mais oui, c'est logique. De toute façon, c'est la verticale de la plante, donc faut bien que je descende en sous-sol. Non, attendez, je suis débilos. Je suis débilos, il faut que j'aille au bout du truc. Donc il faut que je repasse par là. Voilà. Je sais que je peux la crever, la vilaine maid. Allez, Jill Valentine, descends. Descends. Faut que j'aille au bout du couloir. La mémoire me revient. La mémoire me revient. Crever cette satanée plante. Par contre, je me souvenais pas qu'on entendait de la flotte joyeusement. On est d'accord que l'eau a été évacuée, il n'y a plus d'eau. Là, c'est, oui, c'est un précipice sans fond, le machin. Donc, passer par là. Ah, je me souvenais plus de ce bruit de flotte. Il descend, enfin elle descend de l'échelle. Miss Valentine, allez-y, au boulot. Au boulot, on a des monstruosités à zigouiller. Bon, je suis en partie serein dans le sens que j'ai sauvegardé récemment, donc le coup de l'énigme de la solution chimique n'est plus à refaire. Non, non, tu ne boufferas pas, toi. Je m'étais débarrassé de l'autre ou pas? Ah oui, il est mort visiblement, non? Oui, il était mort et je pouvais, je craque boom. Oui, bah oui. Oui, non, merde. Oui, non, mais ça avait été fait. Il faut que je retrouve le chemin de la salle avec les racines de la plante.
les racines de la plante. Je crois qu'ils ont un problème d'étanchéité. Il faut que j'aille en haut de ce grand bassin. Donc il faut que je reprenne l'échelle. Ouais. Ça y est, je commence à apercevoir le truc à faire. Il faut que je passe par la porte, voilà. Enfin, si elle veut bien... Merci. Ouais. Alors c'est bien la grande salle qu'on a vue cylindrique, sauf qu'il faut aller en haut. Là j'étais en bas. C'est à l'étage supérieur du truc. Bon là il n'y a plus rien normalement, c'était la panique avec le panel control. Et je dois avoir... Ah non, mais non, l'échelle est là. C'est vrai que l'échelle se présente à nous comme ça, voilà. Voilà. Alors lui il fait suer. Et je crois que c'était la porte là. Je dois être au niveau des racines de la cochonnerie. Si elle ment là, c'est qu'elle me fouette. Tu vas déguster. Elle va déguster. Meurs, cochonnerie. Meurs. Je me sens mieux. On dirait qu'il s'agit du système de contrôle de l'aquarium. Mais il ne fonctionne pas. Bah, vu l'état de l'aquarium, il est plus près de fonctionner. Hein? Et la cochonnerie, elle est mourue. Je me suis dégagé le passage. Il n'y a rien dedans? Ah ouais, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Le placard est complètement ruiné. Nous dit Jill. Qui va pouvoir se barrer dans la fameuse salle où je suis rentré avec les foutus bouquins rouges. Bouquins rouges. Attends, si je fais le tour. Attention aux requins. Parce qu'il y en a un qui pourrait me croquer, même hors de l'eau. Cochonnerie. Oh, la vache, le bassin était grand. Hein. Le bassin était grand. Ah, je crois que c'est le calme avant la tempête, vraiment. Et on va voir au niveau de la plante crevée. On va voir, je pense, la clé qui me manque pour le manoir. Pour revenir au grand manoir, et là je vais voir les hommes... comment ils s'appellent, les hunters, là, les hommes... enfin, les monstres lézards. Oui, non, je suis obligé de faire strictement le chemin inverse de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de secret. Attendez, je cède à l'envie de m'en faire une petite friandise.
Attends, est-ce que l'arme est rechargée au moins? Merde, j'ai tiré. Bon. Mon arme est rechargée. Maintenant, j'en suis sûr. J'ai perdu le code mon balle. Ah ah! Je l'ai eu. Cochonnerie. What the hell is this thing? Barry! Jill! Il n'y a plus qu'à faire le ménage. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Tu m'étonnes. À part ça, comment ça va, Barry? Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Ouais. Alors, ça doit être la clé qui me manque pour le manoir. Rien d'autre à faire ici. Oubliez mon nom. C'est la clé au casque. Maître des clés, tu m'étonnes. Voilà. Évidemment, depuis les labos, on sait que Wesker va balancer les autres prototypes d'un niveau largement supérieur pour nous faire crever. Ça, ça doit être sympa d'organiser des banquets dans cette salle. Le grand salon, trop sympa. Faire des bonnes bouffes, des soirées, ça devait être bien. Bon, c'est une pièce sans fenêtre. Donc c'est particulier, mais... Ça devait permettre de poser une ambiance. Oh mon dieu. Y a rien de... Oh là là. Je décore. Je décore de fou. Y'a rien de rien. Y'a rien de rien. Bon. Il y a beaucoup de vide dans cette pièce désormais. On a fait crever la plante, ça m'arrange. La porte refuse de s'ouvrir. Oh. Porte à la noix. Allez, moi je me barre. Au revoir, Barry. Je m'enfuis, Barry. C'est la vie. Qu'est-ce qui se passe? Wesker. Jill. So you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, it sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ouais, ouais, salopard, il va déclencher les monstres. En fait, il aurait mieux valu en fait qu'elle croise pas Wesker.
Mais je te la pousse, la caisse où tu veux, je m'en fous, la plante elle est morte. Oh. Je joue avec la caisse maintenant. Nah. C'est mon droit le plus absolu. Jouons avec la caisse. Voilà. Et c'est là qu'on apprend que Jill s'est reconvertie à trouver un job dans les déménagements. Ce que je fais est totalement débile, mais ça me plaît. Je suis content. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je sauvegarde ? Bon, vous allez m'accorder le fait que la manip est chiante, donc oui, je sauvegarde. Je serai en manque de... J'allais dire de ruban adhésif. Je serai en manque de ruban encreur. Mais... Nope. Abusons de la richesse de ce jeu. Merveilleux. Allez-y. Deuxième service. D'ailleurs, j'ai tellement bien géré... Bon, j'ai perdu une balle par bêtise. Hein. Mais je vais... Je vais sauvegarder là où j'avais... Hein. Bon. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Tiens, je vais reboire un coup en attendant. Oh, trop froid. La vache, comment ça se fait que mon eau soit si froide? Bah, je sors pas la cruche du frigo, c'est quoi ce délire? Merde, je suis reparti avec les rubans encreurs. Bon, il y a une forte probabilité que je me fasse buter. Parce que vu ce qui va arriver sur la... Hein. Oh, je n'ose imaginer comment vont être modélisés les baits. Déjà, dans la toute première version d'il y a 20 ans, je les avais là. on va découvrir des nouvelles pièces du superbe manoir. Et je sais que je vais mourir comme un caca. Ça va pas être joli. J'en connais une qui va finir décapitée 10 fois. Ah! This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Broken. Bread, bread, bread. Bread, 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 bread. Bready, bready, bread. Oh merde! Oh merde, barrons-nous. Aïe, c'était par là, je crois. La 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 la, des cerbères sont arrivés. Mais oui. Attends, il va y en avoir là aussi. Ah! Bon, barre-toi. Vilaine bête. Comment ça, tu peux pas te barrer? Ah non, c'est par là, merde. Aïe, oh non, ça se termine. Oh, elle va finir empoisonnée, la pauvre.
Bon, je la joue très mal, tout va bien. Ouh, l'animation des chasseurs-tueurs, ça va être redoutable. Ouh, l'animation va être redoutable. Ils m'ont mis des cerbères. Sinon, c'est pas drôle. Non? Oh. Oserais-je dire que je suis déçu? Ah, oh, il y a des nouvelles choses. Oui, tu vas voir comment tu vas mourir, malheureuse. Voilà, il y a trop de trucs. Oui, non, il n'y a rien d'intéressant au niveau des outils de jardinage. Alors ça, c'est le truc qui prend pas de place. Ouais, c'est la batte coulithium. C'est le truc de self-défense. Faudra que je trouve une... j'allais dire une bassine. Faudra que je trouve une caisse de... La 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 la, le lâcher de chasseur-tueur va arriver maintenant. Je vais me faire dessus. Quand j'aurai franchi cette porte. Je me souviens trop du premier. Ah, je me liquéfiais à cet instant. Attends. Allez, voilà. Et là, là, je me fais dessus. Alors, ils ont un petit crâne, mais alors ils ont un énorme corps musculeux. Oh ! Ah, parce qu'ils m'en ont mis dans toutes les pièces alors. Ah, avec du poison. Oh, magnifique les vipères. Magnifique. Oh là là. Je peux crever. Alors, mélange d'herbe. Oui, bah celui-là, je pourrais l'utiliser. Hein. Cochonnerie de saleté qui n'a même pas rétabli. C'est dégueulasse. Je vais prendre les munitions de fusil avec moi. C'est où? C'est où? C'est là. Alors, est-ce que j'ai du munitions de fusil ailleurs? Est-ce que j'ai oublié un paquet de chevrotine quelque part? Je crois que non. Oh là là. Oui, ma digestion est chahutée. Merde! J'aurais dû prendre le fusil en main. Vite! Ah, je commets des erreurs stratégiques! Pardon, je fais des rototo parce que là. Mais. Cette scène était. Cette chaîne était mange! Merde, il m'a touché! Ouais. Saleté de cochonnerie, saleté. Trois trucs de fusil à pompe. Je t'en foutrais, moi. Oh la vache, on dirait un homme dinosaure le machin. Attends, faudrait peut-être que j'évite de courir parce que... Oh.
Ah, allons découvrir une nouvelle pièce. Joie. Normalement, c'est une pièce qui existait déjà dans la première version. Donc on va dire que c'est une semi-découverte. Quoi, le pilier a poussé là? What? Non, vite. Non, mais... Mais non, mais... C'est pas dans ce... Attends. Attends. Non, laisse les murs s'écraser, finalement. Attends, voir. Il y a quelque chose derrière. Attends. C'est pas si simple. Ouais, vas-y, voir. Oh, merde. Ah, alors attends, il y a un truc à faire. Attends, je te bloque le truc. Hop là. Comme ça, ça va calmer le bordel. Enfin, je crois. Bonjour, Ajay. Ouais, c'était limite, ouais. Il a failli y avoir un squish. Il a failli y avoir une squish. Je peux rien faire avec cette statue à la noix. Et je peux remettre dans l'ordre contraire le machin? Ah ouais. Je peux m'amuser à reprendre le truc et à... Attends, avec le jeu de caméra, mais c'est n'importe quoi. C'est ça, Jill sandwich par deux. On peut s'en offrir une bonne tranche. Alors, t'es pas un peu à l'étroit, ma grande? On dirait qu'il va y avoir un gaz. Ah non, c'est la marque d'Umbrella. Que dit le tableau? Il dit que tu l'as dans le panneau. Alors attends, faut pas que je me fasse squitcher. Oui, c'est à l'ancienne la caméra, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vas-y. Ça va me laisser le temps de passer avec le truc. Vite. Vas-y. Ah, d'accord. Et je peux bloquer le truc, non? Oh merde. Cacher le Potter. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Putain, ils prennent l'humidité, vos murs. Merde, caméra à l'ancienne, là. Bon, allez, repars le mur, repars. Parce qu'avec le système de caméra, j'ai perdu tout le temps que j'aurais dû investir dans le... Allez, bouton, claque. Ouch. Un petit peu trop pressé, mais compressé. Compressé en deux mots. Ouais, c'est ça. Oh, c'était sa destinée. Finir à plat. Bleh. Non. Ce jeu est abject. Ce jeu est abject. Ah, comment ça va, AJ? Aïe. Oui, surmontez vos peurs pour survive. I will survive. Donc je peux bien vider mes poches puisqu'il y aura plein de choses à ramasser. Fusil à pépon. Non, le vrai fusil. Bah je l'ai déjà. Non, faut que j'échange avec les munitions. Voilà. Histoire de bien les défoncer. On va les défoncer. On va les défoncer. Ohé, ohé. Je vous le dis. Je vais les défoncer. Tous les hunters que je vais croiser. Ohé, ohé.
En trois coups, je vais tous les fusiller. Oui, Brad, blablabla, la radio est cassée. Oh, merdoum. Ah oui, faut pas que j'oublie le coup des Cerbères. Oui, Brad, machin. Allez, vas-y, passe, on sait. Zou, la suite. Donc si je marche tout doucement dans la scène suivante, les Cerbères se réveillent pas? Chiche. On va tester. Si je vais tout doux, ils font dodo. Ah non. Ils ne font pas dodo. Ils vont me faire bobo. Et je me casse en haut. La 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 la. Non, vipère de merde. Loupé. Merde, elle m'a eu. Cochonnerie. Ah. Poison. Bah oui, poison. Une morsure suffit. Roy Christella. Avec Jill Valentine qui a fini à plat. Les portes de la grange. De la grange, la plus étrange qui soit. Alors, ramasse. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait un message au mur en plus, au premier passage. Je viens seulement de comprendre qu'il y a un écrit. Oui, c'est Barry en gentleman qui dit je t'ai laissé du matos, sers-toi. Vas-y, ma grande survie. Mon seul flingue revolver surpuissant me suffit. Attention à la créature enchaînée, elle résiste aux balles. J'ai aussi réparé cette maudite porte, Barry. Cette maudite porte. Quelle maudite porte? J'ai aussi réparé cette maudite porte. Il y avait une porte qui posait problème pour Barry. Je m'en souviens plus. Tant mieux. Allez, lancez la vachette. Ouais. Lancez la vachette. Lancez la vachette. Je veux apprendre à me déplacer tout aussi vite. C'est ça, relève-toi. Pour mieux crever. Voilà. Cochonnerie de saleté. C'est moi ou j'ai plus de balles? Merde, pardon. Je suis troublé. Ah bah oui, j'ai pas pris la... Pourquoi j'ai les deux fusils, là? Bon, tant pis. J'ai utilisé ce fusil-là 10 fois contre l'autre, et puis... Oui, on cumule les Resident Evil, là. Oui, ah non, les re. Oui, si vous voulez aussi. Alors, tu recoules, vilain. Sors dans l'angle. Sors dans l'angle. Ça y est, il est mort. Bon. Le fusil, je vais le ranger. C'était quoi ça? J'ai laissé une mission dans la pièce de droite. Utiliser un code coup dur, Barry. Ouais. Non, non, mais ça c'était avant. C'était le précédent message. Bon, alors.
Bonjour Kokozi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Kokozi. Ici, c'est la folie de Resident Evil. Burp. Comment ça, fusil? Mais non! Attendez, il y a un bug, là. C'est une boîte de fusil que j'ai manipulée, non? Attends, c'est moi ou je deviens fou? Vous me direz, hein. Attends, c'était une boîte de fusil que j'avais. Enfin, une boîte de fusil, une boîte de balles à fusil. Bah... Bon, merde. Voilà, je vais laisser le fusil là. Alors. Oui, ça va bien. Magnifique. Moi, je vois bien aussi, merci. On va dire que j'ai une petite gêne digestive, mais visiblement, ça va passer. Comme j'ai voulu ne pas faire de gâchis et manger des restes ce midi, mon estomac me dit pas spécialement merci, mais bon. J'étais empoisonné, je crois. Je crois que je peux prendre ça. Je vais ranger ça. Voilà. Les cartouches de prout, là, je vais les ranger aussi. Voilà, merveilleux. Alors, Si, allez, je peux faire la fameuse salle avec les statues et les murs qui bougent. Et seulement après, je reviens sauvegarder. Parce que... On va pas se cacher. C'est une épreuve à faire en une fois et c'est chiant. Voilà. Donc, autant sauvegarder après avoir maîtrisé l'épreuve. Allez, zou, on fonce. De toute façon, là, j'ai personne d'autre qui vient m'enquiquiner. Je peux les mains dans les poches. Allez, zou. Mais oui, c'est une pièce absolument charmante. Petit feu de cheminée. La 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 la. Alors, la statue de mes deux. La statue de mes deux. Nous pouvons le dire, il faut la jouer serrée. Et là, tout de suite, clac, allez-y, demi-tour. Voilà, hop, je retourne là, c'est ça. Merde, caméra à la con. Le truc à l'ancienne me tue. Non, faudra que je relance le truc. Ah, mon cerveau est guaqué. C'est pour ça que vous voyez Jill dans tous les sens. Mon cerveau est guaqué. À chaque fois qu'il y a un plan qui change, ouais, je relâche la caméra parce que... Voilà, hop là. Tac, tac, tac. Putain, j'ai pas le temps. Merde! Putain, il faut le faire à la perfection. Oh non, c'est dégueulasse. T'es déjà merdé.
m'en fous. Je le joue borgne. Je le joue borgne, ça va me réussir. Ce jeu rend ma boule. Ce jeu rend ma boule. Ce jeu rend ma boule. Allez, pousse, vite, 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 mets ton train. Vite, vite. Oui! Oui! J'ai réussi. Il y a quoi de l'autre côté? C'est quoi ce trou béant? Oh mon dieu! Oui. Alors, j'ai buté deux hunters, j'ai ouvert un passage de la mort, je sauvegarde, hein. Je m'en fous, je rebouche chemin et je sauvegarde. Ah, puis de voir les fenêtres ouvertes, ça me rend fou. Parce que t'as n'importe quel cochonnerie qui peut se pointer, comme les corbeaux ou je sais pas quoi, là. Dans le zéro, il y avait une chauve-souris pas loin. Enfin, bref. Enfin, c'était l'autre manoir, mais bon, bref. Voilà. Là, la sauvegarde, elle est justifiée. J'ai trucidé à la perfection les deux casse-bonbons. En plus, ils sont dans une voie de circulation, je vais être obligé de revenir, hein, comme vous connaissez le scénario. Donc la progression, elle est nickel. Oh. Tiens, chaud ces trucs. Mon lieux. Attends, rester blond me suffit. Attends, je vais mettre celle-là, faudrait pas que je le paume. Ouais, il y a mon système audio qui s'est barré. Enfin, mon câble de casque. Arrête de te barrer, toi. Bon. Ah, allons découvrir d'autres pièces. Allons découvrir d'autres pièces. Ah, il y a une pièce intéressante à faire. C'est celle qui est tout en haut, là, vous savez, avec les statues. Avec le moule de la clé, vous vous souvenez? Il y a une porte qui correspond au casque. Et celle-là, la pièce-là, elle va être toute nouvelle, puisque ça n'existait pas dans le premier Resident Evil. La question est, comment on l'atteint? Je m'en souviens plus. Faut que je révise la carte du manoir. Carte du manoir. Oh la vache, il y a des nouvelles pièces qui me disent elles sont inexplorées. Ah oui, c'était à l'opposé, c'était tout en haut. Ah, la carte est ton ami, c'est ça Christella, m'en parle pas. Évidemment, il faut que je retraverse dans l'autre sens tout le manoir, sinon c'est pas drôle. Ouais, on va rencontrer plein de cochonneries. Alors, je dois avoir 2-3 zombies ultra vénères. Les têtes brûlées, là, je sais pas comment on les appelle, les cramoisies. Alors, les hommes lézards, Hunter, ils vont me décapiter à la chaîne. Petit zombie. Oh, petit zombie. Petit zombie. Hein, petit zombie. Alors. Bah alors. Dommage, j'ai pas pris mon briquet. Et je le regrette. Ce qui va devenir un... Ouais, ouais, bleh. Toi-même. On se relaxe. J'ai un casse-bonbon. Vaut mieux que je passe par le bas. Vaut mieux que je passe par le bas.
De quelle porte parlait Barry? Satanée porte, mais quelle porte? De quoi parlait Barry? Quelle porte? Je me souviens plus du tout dans la trame de l'histoire. Non, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je vais me faire dessus. Corbeau. Corbeau et rien que des corbeaux. Hommage à Alfred Hitchcock, s'il vous plaît. Les oiseaux vilains pas beaux. Mais histoire vraie, hein. Dans mon quartier, il y a des années, il y avait une dame qui promenait son caniche en laisse. Et je sais pas, elle a dû exciter les corbeaux. Et en fait, il y a un des corbeaux qui s'est vengé sur le caniche et qui lui a crevé un œil. Évidemment, la madame, elle était inconsolable. Évidemment, le chien, il hurlait à mort d'avoir été aussi gravement mutilé. Ah. Ne me dis pas qu'il y a un lâcher de monstre jusqu'au sommet du manoir. Porte qui était verrouillée au bout là. On est sur la partie supérieure du manoir de mes deux. Alors ça c'est 100% nouveau. Je vais me faire une joie de le découvrir avec vous. Que dissimule cette nouvelle pièce? Totale découverte pour moi. Quoi? Ah, c'est la pièce qui permet de tout voir de haut depuis le manoir, non? Attends. Et là, il y a un corbeau qui m'arrive dans la tronche. Oui, si tu veux, t'as de la place dans l'inventaire. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Fais ta petite cueillette. Vas-y, ma grande. Mais surtout, fais-moi des commentaires d'observation pertinents. S'il te plaît. Jill, s'il te plaît! Ne nous abandonne pas. Non, elle a rien à dire. Oh mon Dieu. C'était quoi ce bruit? Je crois que je vais prendre le fusil. C'était quoi ce bruit? Oh, cette vue. Non, elle a rien à dire. Ah! Ah! Ok, j'ai comme qui dirait un gros souci. Ah bah si tu descends, moi je monte. Et vice versa. Va te faire en papa outé, toi. Oublie-moi. Bon bah c'était un semblant de bibliothèque, mais on saura jamais ce qu'il y avait au bout, hein. Au secours. Attends, c'est moi ou c'est une porte? Attendez. Non, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Oui, merci pour le clip. Ah, ça m'a décoiffé la moumoute là. Bon, on va choisir une autre pièce. Hein. J'en ai marre d'enchaîner des boss là. Je dis nope. Et je dis nope. Bon bah voyageons gaiement. Comme un rat de laboratoire pris au piège. Littéralement c'est ça en plus. Oula, faut pas que je cours parce qu'il y a peut-être des...
Qu'est-ce qu'il y a, Nayane? Oui, non, mais ma coupe de cheveux, elle est indépendante maintenant, ma coupe de cheveux. Voilà. Je refais mon blond. Putain, je sais même plus où je suis. Ah, ça, c'est une porte à déverrouiller, je crois. Voilà, encore la clé casque. Oh, bel enchaînement. Par contre, cette pièce existait dans la toute première version. Oh, j'ai un gros interrupteur. Oula. Attends, je crois que... Quoi? Attends, le truc a bougé? Ah! C'est quoi ce truc? Mais c'est horrible. Ça fait peur. Putain, le machin, il a la tête chercheuse. Vous savez, ça me fait penser un peu à Ars Fatalis avec les gargouilles dans la crypte qui vous regardent, qui vous suivent du regard. Ça fait trop flipper. Bon, attendez, je vais faire un truc plus en sandwich. Putain, ça fait trop flipper le machin. Comment ça, elle peut pas pousser davantage? Le machin est à bout? Oui, non, mais je fermerai la lumière plus tard. J'espère qu'il y avait rien dans les meubles. Non, visiblement, je peux rien faire. Ah, c'est quoi ce bordel? Oh, la tête de buffle. La déco est magnifique. Alors, email au responsable de la sécurité. Confidentiel. Ah, responsable de la sécurité, en date du 22 juillet 98, à 2h13 du matin. Ça occupe. Le mec est insomniaque. Le jour J approche. Exécuter les procédures suivantes sous 8 N. Mesure immédiate exigée. 1. Faire venir les membres du STARS sur le domaine et obtenir des données de combat brut sur les performances des armes biologiquement modifiées contre les membres du STARS. 2. Recueillir 2 embryons de chaque spécimen mutant, à l'exception du tyran. Éliminer le tyran. 3. S'assurer de la destruction complète du laboratoire Harkley, ainsi que de son personnel et de ses cobayes. Faire passer leur mort pour un accident. Une fois les procédures ci-dessus exécutées, contactez le quartier général pour de nouvelles instructions. Si, pour une raison quelconque, vous vous trouvez dans la capacité de mener à bien la procédure dans le délai indiqué, informez-en immédiatement. En cas d'urgence, appelez directement le poste 5691. Bonne chance, quartier général d'Umbrella, Umbrella Inc. Eh ben, Umbrella Inc. dans ton cul, il n'y a rien d'autre à faire à part éteindre la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Jill Valentine, interrupteur, s'il te plaît. Merci, ma grande. Ah, la chose fait peur. Bouh. Oh là, même le buffle, il a du jaune. Donne-moi ton œil bleu, toi. Donne-moi ton œil bleu. Qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a un truc qui brille à l'opposé. Ah, c'est un couteau de... Ok. Bon, la tête de buffle, elle est piégée, là. Elle va exploser ou quoi? On dirait un truc... Ah, puis là-bas, l'œil est rouge. Ah, il y avait un truc... Ah oui, non, ça, c'est les cartouches. Je crois que j'ai fait le con avec les meubles. On va sortir de la pièce, on va revenir. Histoire de réinitialiser la position des meubles. Non, les meubles doivent aller de chaque côté. Ok. Ah, si devant votre écran, vous dites ce mec est nul, vous avez raison. J'ai honte. Je ne sais plus jouer. Alors, ah, alors, donne-moi ton truc. Un joyau rouge scintillant est incrusté dans l'œil. Le retirer, mais oui, il est attaché. Impossible de le retirer. Oh merde. Il va me faire pareil avec le truc jaune dans la tête de buffle. Oui, il reprend des couleurs, Nayonet, c'est bien. Jour après jour, il reprend du poil de la bête.
Un joyau jaune scintillant est incrusté dans l'œil. Le retirer? Oui! Il est attaché, impossible de le retirer. Non mais... Ah, il faut aller super vite. Eh, merde. Attends. Je vais rendre fou le truc. Regarde, je suis là. Et pan, je lui passe en dessous. Il est couillonné. Et hop. Et là, je peux retirer le machin. Je le savais. Ah, ah, ah. Trop tard. Sauf que j'ai plus de place dans l'inventaire. Allez, tant pis. Je fais peut-être du gâchis en mélangeant deux herbes vertes, mais... Merdoum. Si tu veux, allez. Vite! Vite, vite, vite. Oui! Oui, j'ai gagné. Mériterais que je t'arrache les yeux, toi. Viens ici que je t'arrache l'œil bleu. Je me demande d'ailleurs si c'est pas dans la combinaison du truc. Qu'est-ce que je vais faire des joyaux? Parce qu'il y a des joyaux dans le tigrou rotatif à l'étage, mais... Je mémorise que cette pièce existe, et puis... Voilà. Si je ressors par la pièce et que je vais sur le côté, je vais avoir une révélation là. Oui, il y a des salles déverrouillées là. Attends, je vais revenir sur mes pas. Quand même, il y a de la recherche hein, dans les styles de portes. J'aurais pas dire, mais... Attends, quelque chose me dit que je vais pas dans la bonne direction. Et là, je retourne sur mes pas. Ah non. Non. J'en connais un qui va se réveiller. J'avais peur qu'il me chope la jambe. J'ai verrouillé de l'autre côté. Saleté de cochonnerie de saleté. Ah, l'ascenseur de la cuisine. De la cuisine et pas Schmitt. Ah, faut que j'aille dans la cuisine. La cuisine. Renaillonnet. Alors que le jeu me rend fou, comme toujours. Toujours rien. Oh oh. Y a pas le... Il y avait un zombie déchaîné, là. Il est mort pourri, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pas un zombie, là? Il fait la sieste? J'en reviens pas que c'était calme. Je m'attendais à me faire agresser. Je dois aller dans la cuisine. Je dois donc descendre. La cuisine étant au sous-sol. Oh, cette ambiance. Alors, mon système digestif qui est un peu malmené, cette ambiance n'arrange rien pour mon bide. Puisqu'on peut dire que j'ai un petit peu les foies. Un petit peu. La cuisine, elle est là-bas, je crois. Oui, je me souviens. Malheureusement, je me souviens. Oui, Nash, oui, l'huile de foie de morue, oui. J'en rigole, mais il faudra que je demande et à mon ami médecin et à mon médecin quel est leur jugement sur le fait de boire comme à l'ancienne, boire de l'huile de foie de morue. Non, le foie, oui, oui.
Mais si les deux me confirment que c'est bon pour la santé, je m'en achèterai une fiole et puis voilà. Allons à la cuisine, j'irai pas faire de bons petits plats. Parce que cette cuisine-là, on n'en veut pas. Ah! Mon ami la carte, comme dit si bien Christella. Nya. Là, on pourrait prendre une autre phrase réplique de Jean Dujardin. C'est... J'aime quand mon plan se déroule sans accroc. Et je m'en sors bien. Franchement, la session que je vous fais aujourd'hui de Resident Evil... Le rythme est bon, on avance, on dirait que je maîtrise mon sujet. On dirait seulement, hein, je... Qu'est-ce qu'il y a, Nayane? Je te lis. Achète directement une boîte de foie de morue en conserve. En plus de le kicher, il y a de l'huile... Ah, oula. Ah, c'est... Ah, Dikite. C'est de la... De l'oméga 3, oui. Mmh. Attends, il y avait une porte. Elle était verrouillée ou elle était bloquée? Ah, verrouillée de l'autre côté. Ah, attends, il y avait une autre porte. On est d'accord que mon arme est rechargée. Bordel, c'est quoi que j'entends? C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Ah bon? Ah, t'es une amatrice de foie de morue fumée? D'accord. Eh bien. Je bois de mon sirop au mojito d'ailleurs. Je vous l'ai pas annoncé, mais je bois du sirop de mojito. Du coup, l'acide citrique va bien rincer mes parois d'estomac. Un mal pour un bien. Alors, quel endroit du manoir je dois aller me fourvoyer? Il y a le foutu trou de la muerte, hein? Ça, c'est la salle au piano, on n'a plus rien à y faire, là, le piano bar. Il est vrai que là, c'est un grand couloir. Bah, il y a le tigrou avec... J'ai deux joyaux, mais je sais pas si ça va me servir, si, peut-être. On va essayer les joyaux. On ne court pas. On n'excite pas les monstres. Ah merde, c'est pas la bonne pièce. Oh! J'ai des cadeaux. Ah oui? Que signifie? Des vêtements et objets divers sont éparpillés. J'ai oublié des munitions. Oh, honte à moi. J'avais mal écumé les pièces. Honte à moi. Il y a la pièce du tigre, du tigre. On va essayer les cailloux, les joyaux sur la tête de tigre. Mais il n'y en avait pas autant normalement, c'était binaire le machin, pas tertiaire. Enfin, je sais pas, on va essayer, mais... Oh mon dieu.
J'ai accès à un disque mot. J'ai accès à l'objet interdit. Allo Kiki. Et je peux pas jouer avec le rouge là? Comment ça non? C'est drôle de jouer avec le tigrou et les joyaux. Encore? Non, pas maintenant. Bon. Alors ça, examiner. Quoi? Du quoi? Du 1200. Il semble qu'il s'agit d'un disque permettant de réinitialiser un système. Ah. Eh ben, on pourra réinitialiser un système. Youpi. Bon, le tigrou, il donne plus rien. Rayon d'une lumière bleue et jaune. Ouais, bon, c'était ça, j'ai gagné. J'ai gagné. Je pense que j'ai... Il n'y a rien de nouveau dans la pièce où il y avait le mini végétal de terreur, là. Si je retourne là... J'ai envie de dire, normalement, il n'y a rien. Étalé sur une tartine grillée avec quelques gouttes de jus de citron et une pincée de sel. T'as fini, oui? Tu vas me donner faim alors que je sors de table. Faim gourmet, va. Oui, non, il n'y a plus rien à faire, là. Ici, tout a crevé, mais je voulais le confirmer. Ah, j'avance pas si mal que ça. La 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 la, elle danse un peu. Eh, hey, Macarena. Brah. Si, n'importe Nawak. Mince, me fait enguirlander par le sage. Non, j'ai cru qu'au premier plan c'était un objet du genre un spray, mais... Oh, je sens que je vais avoir de la visite là, attention. Merde. Je suis un peu nerveux. Cette mandale. Et ça fait peur parce que on a vu qu'ils avaient une peau différente. Il y en a un qui était argenté, celui qui m'a zigouillé, et l'autre avait une peau verte. Tu viens de rajouter sur ta liste de courses. Ah, mon allié. Tu dis, hein, Jack, quand tu veux faire du Spend Lucky, là. Voilà ce qui arrive quand les gens ont un coup de fusil. Oui. Non, mais le pire, c'est comme on dit, le coup est parti tout seul, mais... Nerveux, quoi. Nerveux. Ouais. Le coup parti tout seul. Bon, faut que je mémorise un peu ce que j'ai fait parce que on a vu qu'il y a une pièce. J'ai en fait des munitions à gagner. Alors la pièce du haut, il y a le foutu serpent. Franchement, le serpent, faut en avoir envie. Oh, le zombie, je vais me faire. Pas moi, c'est ma main. Et ben, on fait.
Ah! Mon Dieu! Quand j'ai vu les mains tendues vers moi, j'ai... Ah! Bon, bah ça commence très mal. Va mourir! Va mourir! M'en fous, je joue mal, je sais. Tu peux te moquer. Il est mort de chez mort. Encore mort! Non, j'ai plus de balles. Je fais n'importe quoi. Là, on est d'accord, j'ai plus rien à gagner, là. C'est une pièce qui a été faite il y a longtemps. Oui, pardon, Nash. Mais le zombie m'a fait peur aussi. Ouais. Bon, là, j'ai fait nimp, hein. Je me suis excité avec le... Bon, on va juste faire du repérage, mais... La malheureuse va mourir comme un caca. Il y a l'histoire du trou qui est bizarre. Oh, les plantes avaient été... Le serpent, on est d'accord, il est déjà dans la bibliothèque, non? Il est resté là? À ce moment-là, il est encore là? Non, il est plus là. Non, il n'y a rien. Là, j'ai cru voir une boîte de cartouches de fusil à pompe. Non? Ah non! Ah! Ah si, j'ai bien vu une. Merci. Ça fait plaisir. Rien ne vous intéresse particulièrement. Là, il n'y a pas des trucs là? Non, il n'y a rien. Toujours ça de prix. Censure, je ne vous lirai pas de vive voix. Ah, j'avais oublié l'existence de cette pièce. Et il n'y a plus rien dedans. Oui, il y avait un truc. Ouais. Verre à vin. Censure immédiate. Ah, oh, Dragon Sky. Ah, il se fait le Harry l'empoté. Il a bien raison. Sacré Dragon Sky. Tyranny. Da da di da di da di da da. Alors. Dictateur, non mais c'est fini, oui. Arrêtez, vous avez donné envie de jouer à Tropico. C'est vrai en plus. Je vais faire mon dictateur cubain. Da 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 di da da da. Oh, bout de Dieu. Politique. Oh. Ça y est, vous êtes déchaîné. Je trouve. Ah là là. Réfléchissons. Mais je pense qu'il faille que... Qu'il faut que je me coltine le trou, en fait, dans le... Le trou pas normand, là. Oui, j'ai la malédiction qui m'y oblige. Hey, attends. Il n'y avait pas une pièce là. Elle était verrouillée, la pièce avec le casque. Je l'ai pas faite, celle-là. Eh oui. Ah ah, faisons cette pièce. Et seulement après, on fait le trou depuis le toit du manoir de mes deux, là. Oh, la vache. Ah, il y a quelque chose à lire. Il y a quelque chose écrit à la main, il n'y a pas de date. Rien n'a changé. Je n'aurais jamais cru que cette pièce, que j'avais conçue simplement pour mener une petite expérience, s'avérait aussi utile. Je vais pouvoir me réfugier ici pendant un bon moment, car personne n'est au courant du secret que cache ce tableau. Même pas Sir Spencer. Comment ça, le tableau ?
Mon Dieu, c'est quoi cette horreur qui était face à moi là? On aurait dit un truc des organes dans le formol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une sorte d'organe à l'intérieur. Impossible de savoir si provient d'un homme ou d'un animal. Ah non mais dur. Le tableau a un secret. Le portrait de la jeune femme. Le portrait d'une jeune femme au regard triste. Oh. Là aussi, un tableau. Ah. Non. Non, non, je vais pas sauvegarder là. Là, je suis en découverte. Il faudra que je sache dans quel ordre faire le schmilblick. Salut à tous ceux que j'ai pas. Vu. Je vais faire tomber le chef avec des chars paladins, des chars emploi, des chars scorpions. Ah oui, Command & Conquer Generals. On se fera une soirée samedi soir pour ceux qui veulent nous rejoindre avec Nayone. Samedi soir prochain, on se fera en gros, on a défini de 21h à 23h, on va se faire de Command & Conquer Generals. Il m'a fait peur ce Cowen. Il va rester mort, hein, j'espère. Bon, oui. Alors, c'est quoi ça? C'est des trucs de fusil? Ah non, pas du tout. Oula, non. Non, non, la boîte de bijoux est complexe. Yako, ce n'est pas que c'est une clé. Ah, non, c'est un poignard de... Ok. Il y a des plantes et je peux me soigner du poison. Il y a des plantes et je peux me soigner du poison. Il n'y a rien d'autre dans cette salle ? Une grande salle à miroir là pour s'habiller. Bizarre, on pourrait croire qu'il y a quelque chose derrière le rideau. On dirait qu'il y a de la profondeur dans la pièce. Le rideau peut pas se bouger. Donc j'ai véritablement quelque chose à faire avec la boîte à bijoux. Mais quoi? Allez, je vais la manipuler, ta boîte à bijoux de merde. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Examinons-la. C'est psychédélique. Oui, c'est ça, exactement, Nayone. Oula, 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 il y a des trucs. Rien d'inhabituel. Ah bon? Rien d'inhabituel. Rien d'inhabituel. Il y a une cavité ronde d'environ 4 cm de diamètre. Rien d'inhabituel. Ouais. Oui, bah j'ai pas le joyau. Oui, c'est le joyau qui rentre dans la boîte à bijoux. Ça y est, j'ai compris. Je peux pas manipuler le truc là. On est d'accord que je peux pas péter le truc. Non, on est pas au niveau du machin. On dirait un télescope. L'objet a l'air très ancien. Super globe terrestre. Ouais, tu m'étonnes. Attends, il y a des valeurs là. Je vois un 22 retourné. Ouais, bizarre. Il y a un portrait de... Sont à l'intérieur, non, oui, donc d'accord. Et il y a cet étrange tableau. Putain. Le son du machin m'a fait peur. Ah, puis il y a là aussi. Oui, ça aussi, c'est nouveau, ça. Je peux pas y aller, là. Oui, bon, c'est Lisa.
C'est Lisa qui est dans ces quartiers. Je sais pas comment on ouvre ce truc, mais... Oui, alors attends, je vais faire le toit du manoir tomber dans le fameux trou. Au moins, on saura ce qu'il y a derrière. Non, de l'autre côté. L'autre côté. Titelicatan. Oi, oi. Oui, c'est le coup du serpent. Attends, c'était où que j'ai vu le trou dans le... Bah merde alors. Ça y est, je me souviens déjà plus. J'adore la posture de Jill Valentine. En même temps, c'est tellement logique, j'ai envie de dire. Allez, soyons fous. Regardons ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Ah, il y a un truc par là. Là, il y a des bouquins qui ont été dérangés. Ah, oh, magnifique. Nous sommes piégés dans l'arène. Bah, c'était où la pièce où il y avait le trou dans le plancher? Je sais déjà plus. Ah, c'est le coup de la des deux murs qui se rétractent. C'était les deux murs qui se rétractaient. C'était où? Putain, je sais même plus. C'était pas cette pièce? Je sais plus. Je l'ai fait il n'y a pas une heure, j'ai déjà oublié. Eh ben, jette la clé, si on a tout ouvert. Allez hop. Bastazar. Ah oui, ça c'est le truc à Tigrou avec le... Bah, j'en arriverais presque à regretter d'avoir fait l'idiot avec le zombie dès le début avec le fusil à pompe, parce que finalement je m'en sors pas si mal que ça.
La super classe, ce serait de zigouiller les deux chasseurs-tueurs qui m'ont trucidé. Et d'enchaîner avec le serpent. Ce serait le nettoyage parfait. Ah oui, tiens, le zombie, enfin, le zombie. Le cadavre d'avant n'est plus là. Oui, non, là, il se passe rien, il n'y a rien de nouveau. Ouais, non, il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a pas eu de visite. Là, il y avait un bidon de kérosène que j'ai vidé, mais il n'y avait rien d'autre en matos. Je sais pas s'il y a du... Il n'y a rien dans cette pièce à nouveau. Si, il y a un nouveau truc. Oui, juste de vieux meubles. Cette pièce n'a plus aucun intérêt. Ah, je crognonne. Ouais, il y avait ça, là il y avait les cartouches. Donc si je prends la pièce dans un certain sens et que je fais pas l'idiot, je déclenche pas les chasseurs-tueurs. C'est fou ça. C'est fou. Il y a un ordre et un moyen de procéder en fait. D'accord. Je conçois. Ah, la mémoire me revient au niveau des murs qui bougent. C'était en haut, c'était quelque part par là-bas. Oui. C'était... Ah, y'a, 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 y'a. Ah, 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 ah. Pardon. Ce soir, Nash, à partir de 20h, Zelda, non? Sur ton kick. Eh oui, on descend dans le trou du... Hein ? Quoi ? Dernier livre, volume 1. Ah oui. Examiner. Ah, l'aigle du sud et le loup du nord. Ah oui, les petits ménaillons. Il est beau ! Ok.
c'est cool ça. Alors, 29 novembre 67. Oula, c'est vieux. Je suis fait comme un rat. J'ai tout essayé, mais à chaque fois que je me suis heurté à la même réalité, je suis pris au piège. Je suis allé partout. Le laboratoire et les grands tubes de verre remplis de formol et ses souterrains sombres et effrayants. Que faire? Au début, j'ai refusé d'y croire, mais cette chaussure à talons hauts dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Un seul nom m'est venu à l'esprit, Jessica. Je ne veux pas croire qu'elle partage le même sort que moi. Non, je ne cesserai jamais d'espérer. Je dois me dire qu'elles sont toujours en vie. Alors, 30 novembre 67. J'ai rien bu ni mangé depuis plusieurs jours. J'ai l'impression de perdre raison. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait pour m'éviter une mort pareille? J'étais si obsédé par l'architecture de ce manoir, j'aurais dû me douter de quelque chose. 31 novembre 67. Un tunnel souterrain sombre et humide. Une autre impasse, mais dans l'obscurité. Quelque chose a attiré mon regard. J'ai prudemment allumé ma dernière allumette pour voir ce que c'était. Une tombe. Mon nom était profondément gravé dans la pierre George Trevor. C'est là que j'ai compris. Ces salauds savaient depuis le début que je laisserais ma peau ici et que je tomberais dans leur piège. Mais c'est trop tard maintenant. Je perds mes esprits. Tout n'est plus qu'un vague souvenir. Jessica, Lisa, pardonnez-moi. Mon ego m'a poussé à vous impliquer toutes les deux dans cette conspiration. Pardonnez-moi. Que Dieu justifie ma mort en vous laissant la vie sauve, George Trevor. Oui, il y a Lisa Trevor et il y a Jessica Trevor. Que devient Jessica d'ailleurs dans l'histoire? Je sais plus. Bonjour, jeune lumière! Il y a un bouton dessus. Oui. Il y a une échelle de la muerte dedans. Descendre. Descendre. Dans les couloirs de la muerte. Oh! Allez, tant qu'à faire. Joie. Boyoul. Elle est magnifique. Elle est très vilaine. Ah, plan. Manoir B. Hein. Oui. Ah. Vous avez pris carte manoir B. Hein. Oh, oh, on se fait bouffer. Le manoir de l'horreur. Allez, encore une araignée. Ah, non, ça a l'air différent. Là, il y a du bleu, il y a du... Ah, zombie. Ah, poison. Voilà, on est partout. Oh merde, il y en a un autre. Un zombie peut en cacher un autre. Joie. Oui, couteau de prout. Là, il y a quoi? Oh merde, il se relève ce con. Il y a des meubles, il y a du bordel. J'ai déverrouillé. Ah oui, c'est pour aller à la cuisine. Vous savez, je reconnais l'endroit. Donc, quel est l'autre endroit que j'ai pas vu là? Autant aller au bout de l'horreur et découvrir tous les trucs. Je sens que ça va mal se finir. Claude François. Il s'agit de l'alimentation permettant de faire fonctionner l'ascenseur. Le fusil principal a sauté. Remettre les plombs. L'alimentation électrique semble fonctionner à nouveau. Oh, ce bordel. Oui, bon, j'ai compris que par là j'arriverai par les cuisines.
qui fait que je vais pouvoir prendre l'ascenseur. Merde, alors, je vais réussir à digérer Jail quand même. Oh là 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 là. Là, ça va marcher. Prenons l'ascenseur. Et là, je crois qu'on a tout découvert dans le manoir. Et là, on fait face à face au tyran, juste dans la cage d'ascenseur. Le truc impossible. La cage d'ascenseur sous le poids cède. D'après la carte, je suis où? Ah! Comme c'est intéressant. C'est la salle au secret. Non, j'ai oublié de la monter. Quoi? La poignée est cassée. Oh merde. Non! Puis on avait une grosse mythe sur la fenêtre. Ouais, il y avait une énorme mythe sur la fenêtre. Oh, je peux me faire un petit remontant. Bah, ça va faire durer le plaisir de l'exploration dans le manoir. Le petit remontant, le petit remontux. Vite. Mélanger. Consommer. Ressusciter. Tant qu'à faire. Oh non! Vite, fais un retourné rapide. Retournez! Magnifique. Magnifique! Elle est extraordinaire, cette fille. La poignée est cassée. Pourquoi? J'aurais pas dû me réengager dans le. Dans l'ascenseur. J'aurais dû m'acharner à mieux analyser la serrure pétée. Faut quand même pas utiliser la manivelle de la cour en guise de poignée, si. Ça peut se tenir, vous me direz. Mécanique pour mécanique. Le manoir des enfers. J'y va go, j'y va pépère. On dirait presque. Ah non, c'est un portrait en face. Poignée de porte est cassée, impossible d'ouvrir la porte. Vraiment? Ah oui, il n'y a que ça. Alors, un rouleau de parchemin comme on en trouve en Asie est accroché au mur. Cependant, l'image est de style occidental. D'accord, ok. J'ai le zombie casse-bonbon qui est toujours là. Que dissimule cette petite pièce? Telle est la question. Balle de magnum et cartouche de boom. Truc d'autodéfense. Ah, c'est la batterie de la cour arrière. C'est pour aller dans les labos, ça. Ah, énorme. Eh ben, tu veux qu'on le fasse maintenant, EJ? On peut faire Spell Lucky maintenant, si t'en as envie. De toute façon, là, j'ai fait de la mouise. Hein. J'ai fait l'idiot au début avec tout un fusil pour un zombie, le truc qui se fait pas. Donc, je peux pas sauvegarder cette partie-là. Mais je voulais faire de la pure découverte des pièces qui me manquaient, en fait. Ce qui fait que quand je vais revoir mon Mardif, là, je vais pouvoir cogiter à me dire dans quel ordre je dois faire la bonne combinaison pour faire un max d'économie et de performance.
Je prends un goûter, on pourra commencer si tu veux. Ok, prends ton goûter et tu me dis quand t'es prêt. Ça me va très bien, AJ. Alors, si j'ai le culot d'aller jusqu'à la cour, déposer la batterie et voir ce que ça fait. Normalement, en mettant la batterie au niveau de la cour, je vais accéder au laboratoire, là où se planque Wesker. Normalement. C'est quand même bien ficelé. Hein. Faut dire ce qu'il y a. C'est quand même bien ficelé. Descendons dans la cour. Je vais repasser par là où il y a les corbeaux, ça ira plus vite. La 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 la, dans la partie cimetière. J'espère qu'ils m'ont pas foutu d'homme lézard dans le 1. Hein. Correct. On y croit. Je sens que je vais tester la batterie pour l'ascenseur vers les labos. Non, ne cours pas. N'excite pas les corbeaux, malheureuse. Pa 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 pa. Tranquille. Le sujet est maîtrisé. Do you believe? Don't go away. Da, 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 da. Le jeu de lumière est parfait. Le jeu de lumière est parfait. Voilà, non. Je vais poser la batterie. Gnan gnan. Dadi dadi di dodi. Gnan gnan. Je sais même plus où est-ce qu'elle se met la batterie. C'est ça. Ouh, toi-même. C'est pas très loin. Non, c'est pas là. Je crois que c'est après le... C'est quoi ça déjà? Non, je peux rien y faire pour le moment. C'est un ascenseur que je vais déverrouiller plus tard dans les dans le labo. Ce sera un raccourci. Ouh, je sais pas si vous avez entendu, j'ai eu le ventre qui a gargouillé. J'ai le ventre qui a gargouillé. Ah. Oh, j'ai encore me faire mordre par ces vipères à la noix. Ces vipères, on n'en veut pas. Ça y est, ça va être la partie la plus chiante. Ah, on peut crier. Mène-toi le cul, Lulu. Ah, j'ai réussi. Ouf. Et c'est l'autre ascenseur qu'il faut que j'active. Mais là, il y a des clébards. Il y a les clébards de mes deux. Couchez les chiens, couchez.
petit con. Remontant. Allez. Ouais, on va découvrir une nouvelle zone. Encore, toujours et encore. Donc c'est bien. Ça me donne des éléments de réflexion pour la prochaine fois quand je ferai ça en propre. Ah, il y a l'astuce à faire avec de l'eau. La manivelle, remettre de l'eau et repasser dans l'autre sens. Saleté de cochonnerie de saleté. Oh, j'avais oublié. Ouais. Là, il prend son goûter, Jay. Sans offense, Torota, il te saluera tout à l'heure. Là, il est en train de miamer des douceurs, le vénard. Ah, là, il n'y a plus rien. C'était là où il y avait les têtes de loup avec la grange de la... On va les vérifier, tiens. Ah non, il y a un zombie vilain. Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire face au zombie vilain. Je viens de m'en souvenir et il m'énerve ce zombie. C'est pas l'heure de goûter, c'est une honte, monsieur. Oui, oh, écoute, Jay, il n'y a plus d'heure pour goûter. Hein. La 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 la. Alors si je prends la manivelle manip de cours machin, je vais dérouiller un machin. C'est ça, il fera dodo à 18h. Écoute, ça, le pire c'est que c'est possible. C'est verrouillé. L'emblème de la Phoenix Passion est gravé sur le bl. J'ai verrouillé in the morning. Bon, il me refoue cette manivelle. Ah, quand les bestioles sont mortes, on se sent mieux. Christella dit, prend son goûter plus tôt pour aller jouer Gumboy. Parce que Gumboy. Gumboy, Gumboy. Gumboy, boy, boy. Bon, ça, je... Ça, je... Non, c'est là où le jeu veut me dire que je vais en avoir besoin. Ah, la manivelle, la manivelle. J'ai plus de balles de fusil à pépon là sur moi. Je vais prendre le. Allez, je vais prendre le lance-grenade. Je vais prendre des grenades. Je vais prendre un spray avec moi. Et on va faire la guerre. Alors, j'ai de l'acide, j'ai de l'incendiaire. J'ai de l'onion incendiaire et c'est tout, visiblement. Incendiaire, acide, ok. Si je dis que je veux ça. Non, j'ai pas le droit de dire... Ah ouais, faut faire comme ça. Il n'y a pas d'animation de recharge de... Ok. Le goûter, c'est un rituel immuable. Message de Torota 77. Les fusils à pépon qu'a cité le sage est un fusil qui tire à blanc en A. C'était ça la porte réparée par Barry, elle vient de le dire. Comment ça, je tire à blanc, monsieur Torota? Que signifie? Que signifie? La 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 la. Va falloir jouer de la manivelle, la 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 la. Mm-mm.
Il va falloir remettre de l'eau. Daddy, 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 daddy. Et là, quelque chose va se passer. Un passage va nous être révélé. Et moi, pendant ce temps-là, tournez la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, y est coulé dans les bois. La 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 la. Non, 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 non. Ah, tu m'étonnes que la chute d'eau ait été calmée. Mais oui, que je pète un câble, tout va bien. Ta 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 ta. C'est le stress, le jeu me stresse. Je vais me faire niaquer par les cerbères là, les chiens de mes deux d'Obermann modifiés, de la muerte. Mais m'étonnerait que j'arrive à me fumer les deux clébards là. Oh! Il est où l'autre? Il y en a un deuxième! Qui se dénonce? Je bouge plus! Non! Je l'ai loupé, merde! Merde. Bah alors. Je l'ai eu. Saleté. M'en fous, c'est pour découvrir. Ah. Ah! Bienvenue dans les ténèbres. Non, 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 non. Alors là, il y a une porte blindée. On va commencer à la porte blindée. Allez, hop. Ah! Mmh. Oui, oui, j'ai la moumoute toute retournée, oui. Oula, ça descend vachement par ici. On avance. Je sais plus, il y a des boulets, il y a des araignées ici, il y a plein d'horreurs. J'ai cru voir quelque chose au sol, non? Dans la gadoue, là. Non? Non, non, c'était de l'eau. Ah oui, il y a quelque chose. Oui, un trou. Pourquoi il était creusé? Je sais pas. C'est quoi ça? Ah! Oui, mais toujours ça de près, vas-y. Oh là là, il y en a des choses à ramasser. C'est apprécié. Ouais. Il y a des... de migales là, ici, non? Toujours pas? Jill. Is that voice Enrico's? Yeah. Macias? Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Who?
Bon, il a quelque chose en héritage, Enrico. Il a quelque chose à offrir, quand même. Merci. Ok. Ah! Je suis à poil. Ou presque. Oui, c'est ça. Enrico est mort. C'est dégueulasse. Mais l'idée est là. Ah, j'en perds ma perruque blonde là parce que ça me rend. C'est trop chaud. À la limite, encore le truc de chapeau chinois, mais. Bon, bref. Le chapeau de mandarin. C'est quoi ce merdier? Source d'alimentation de l'ascenseur. Il y a une couvercle ronde ouverte. Oh, vas-y. What? Un arbre. C'est quoi ce merdier? Ah! Pardon. À l'intérieur, il y a un espace vide prévu pour un arbre cylindrique. On dirait qu'il manque quelque chose. Ouais. Examiner. Oh la vache. Une sorte de clé pour activer l'alimentation électrique. Des symboles sont gravés sur le côté. Oui, merci, Nasheman. Ah oui! 1, 3, 2 et 4. D'accord. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. La 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 la. 4, 2, 3, 1. Ça va pas bien. Merde, par où je passe? Là, il y avait végétal, machin. Ouf, me souvenais plus de ça. Oh! Il va me buter. C'est pas le petit pampan qui va le piquer. Non mais vous avez vu le tas de muscles? Ça l'a mis en PLS? Non. Ça tient du miracle. Ah! Cochonnerie. Un gros rocher, il y a du sang sous le rocher. Oui, il y a un truc. Ah oui, la manivelle, il y a un truc à creuser, mais je sais plus comment. Oh mon dieu. Oui, il y a une histoire de. Oh mon dieu. La mémoire me revient peu à peu. C'est quoi ça? Ah non, 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 non. C'est quoi ça? Oh! On peut échanger les objets, c'est une malle. Oh! Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Sans dire machin. Hop. Hop.
Je vais reprendre les tant qu'elles sont là. Oui, il y a ça aussi que je peux ranger, mais bon. De toute façon, je vais pas sauvegarder comme j'ai fait de la mouise. J'aurai le plaisir à refaire le week-end prochain. C'était là, je crois, hein, qu'il y avait le truc incendiaire. Mais là, j'ai besoin des munitions pour avancer le temps qu'Edge me dise j'ai fini mon goûter. Et qu'on joue à Spelunky ensemble. Non, c'était là-haut, je crois. Voilà. Ah, bah, t'en vois là, Edge. C'est bien. Je vais au bout de la salle pour voir ce qu'il y a. Je vais sûrement mourir comme un caca. Mais au moins, j'aurai l'information de comment je dois jouer la semaine prochaine. Je ferai la même chose, mais en mieux. Je sais, je peux le faire. Ah, et là, c'est, voilà, et là, c'est la fameuse manivelle. Mais oui. Ce qui fait que je vais pouvoir atteindre le... Voilà. Ouais, c'est comme dans le tout premier machin. Ok. Donc je vais déposer la plante bleue. Oui, si tu veux, je prends la verte et puis pas perdu. Bah d'ailleurs. Oh non, je vais pas gâcher. Je vais pas gâcher. Alors, araignée. Normalement, il doit y avoir une araignée. Je crois. Hein. C'est quoi ça? Une boîte à fusibles? Non, le truc sert à rien. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Je te suggère la manette. Je te suggère la manette pour Spelunky. Voilà, on va se quitter sur cette image horrible. Oui, ça a craqué les jambes. Ouais, c'est dégueulasse. Resident Evil. Resident Evil dans notre cul. Oh, la manette est pleinement rechargée. C'est beau. Ça va être terrible la semaine prochaine. Ça promet d'être mortel. Alors effectivement, je ressors ma manette, mais cette fois-ci de PC, que fièrement je vais pouvoir vous exhiber ici, burp, avec la diode. Burp. Oh, c'est joli comment qu'on la voit. Bon bref, je vais déclarer la bonne catégorie et on va jouer à Spelunky avec AJ. On va se mettre en com privé Discord, mon cher AJ. Laisse-moi le temps de changer ma catégorie.